Bonjour les CE1, aujourd'hui nous sommes mardi 5 mai. Allez, c'est parti pour une séance de mathématiques. Alors, je vais vous demander, je vous montre des figures géométriques et je vous demande tout simplement le nom de cette figure. C'est bon, tu as trouvé? Combien cette figure a-t-elle de sommets? Combien a-t-elle de côtés? Allez, on fait ensemble. Les sommets. 1, 2, 3 sommets. Les côtés. 1, 2, 3 côtés. 3 côtés, 3 sommets. Eh bien oui, bien sûr, c'est le triangle, tre comme 3. Allez, on passe à la deuxième figure géométrique. Quel est son nom? Le nombre de sommets, le nombre de côtés. Allez, on y va. Un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Et mes quatre côtés sont de même longueur. Donc même s'il est penché, c'est quand même un carré. Allez, figure suivante. C'est bon, tu as trouvé. On ne dit plus en CE1 un rond, mais un cercle. Et il n'a pas de sommet. Allez, quelle est cette figure? Le nombre de sommets, le nombre de côtés. Allez, c'est parti. Un sommet, deux sommets, trois sommets, quatre sommets. Un petit côté, le même en face. Un grand côté, le même en face. Ça fait 1, 2, 3, 4 côtés. 4 côtés. C'est un rectangle. Pareil que le carré, même s'il est penché, du moment qu'il a deux côtés de même longueur et deux grands côtés de même longueur, 4 sommets, c'est un rectangle. Figure suivante. C'est bon, tu as dû trouver. Allez, un sommet, deux sommets, trois sommets. Un côté, deux côtés, trois côtés. Et oui, c'est un triangle, il en existe plein. Alors maintenant, je te demande de prendre ton cahier de brouillon, ton cahier de devoir, enfin, ou une feuille. En tout cas, il nous faut des carreaux. Donc si tu ne l'as pas, tu dois aller chercher, tu fais pause et puis tu reviens juste après. Je vais te demander de tracer un carré. Attention, un carré qui repose sur la pointe, c'est-à-dire je ne le veux pas droit, je le veux penché, qui repose sur la pointe et qui contient au moins deux carreaux de ton cahier. Allez, tu essaies. Un carré qui repose sur la pointe, donc sur un sommet, et qui contient au moins deux carrés entiers, deux carreaux, d'accord? Moi, il va falloir qu'à l'intérieur, il y ait au moins un, deux carreaux comme ça, d'accord? Allez, on corrige. Alors, moi, il n'est pas fait à la règle, puisque sur ce logiciel, je n'arrive pas à utiliser la règle. Donc voici mon carré. Et à l'intérieur, j'ai bien au minimum deux carrés entiers ou deux carreaux entiers. Il y en a beaucoup plus même. Mais c'est bien un carré. Il a quatre côtés de même longueur et il a quatre sommets. Allez, tu es prêt? Tu vas faire la deuxième figure. Tu vas me tracer un rectangle qui contient exactement 12 carreaux de ton cahier ou 12 carrés si tu as du papier comme moi. Il me faut 12 comme ça à l'intérieur. Donc, trace un rectangle qui contient exactement 12 carrés. Donc, tu fais pause et tu reviens pour la correction. On y va, on corrige. Et voilà. On pouvait le faire dans ce sens-là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai bien 12 carreaux ou 12 petits carrés. J'ai deux petits côtés de même longueur, deux grands côtés de même longueur. C'est bien un rectangle. Mais je pouvais également le faire comme ça. 3, 3, 3, 3. J'ai toujours 12 carreaux. Allez, c'est parti pour le calcul mental. Prends ton ardoise. Je vais t'interroger sur les tables de multiplication. Donc, normalement, tu les connais par cœur. Maintenant, les tables de 1 à 5. Donc, le plus rapidement possible, tu vas devoir m'écrire les réponses à mes multiplications. Alors, tu es prêt? C'est parti. Attention, 5 fois 5. Allez, vite, 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 on écrit. Stop, on lève. 5 fois 5. 25. Attention, deuxième multiplication. 3 fois 4. 12. Allez, on passe à la suivante. 2 fois 7. Allez, vite, 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 vite. 2 fois 7. 14. Allez, on passe à la suivante. 4 fois 9. 4 fois 9. 36. Dernière pour aujourd'hui. 6 fois 3. 6 fois 3, 18. Et voilà pour les tables. Si tu as eu beaucoup de fautes ou quelques fautes, ben je te conseille de les réviser régulièrement. Ça va finir par rentrer et ça va t'être utile toute ta vie, même au collège, je t'assure. Alors maintenant, je te propose de réaliser une œuvre symétrique. Donc, normalement, ça aurait dû se faire en groupe. On n'est pas en groupe, on est à la maison avec des objets que tu peux trouver. Donc, par exemple, moi, je vais prendre, par exemple, des Lego, d'accord? Ou je peux prendre un bouchon de bouteille. Ou si j'ai deux stylos exactement pareils, je peux utiliser mes stylos, etc. Sur ma feuille, donc je vais prendre une feuille blanche. C'est bon. Je mets bord à bord, je l'applique. Je l'applique. C'est bon, bien droit. Je l'ouvre de nouveau. Et sur le pli, je vais tracer le plus droit possible. Je demande de l'aide ou je prends ma règle. Mon trait rouge. Ce trait rouge, on ne voit pas très bien parce que j'ai pris une feuille de brouillon. Ce trait rouge, ça va être, c'est comme si c'était, pardon, un miroir. D'accord? Donc c'est mon miroir. Par exemple, d'un côté, je vais poser mon bouchon de bouteille. Du coup, de l'autre côté du miroir, il va falloir que je mette le même bouchon de bouteille. Ensuite, j'ai fouillé dans mes placards et j'ai trouvé une paille. Allez, j'ai positionné ma paille ici. Du coup, dans le miroir, ma paille, je vais la voir ici. Ensuite, dans mes placards, j'ai trouvé, tiens, une coquillette. J'ai posé ma coquillette d'un côté. Et dans le miroir, on la voit également en miroir, d'accord? Donc, ce que je te propose, c'est de me faire une jolie œuvre d'art. Ça s'appelle la symétrie, comme si nos objets se reflétaient dans un miroir. Tu peux prendre une photo et partager ton œuvre d'art. Alors, maintenant, je te propose de prendre ta petite fiche, ton petit fichier, le miroir, dans les fiches MHM, d'accord? Et on va continuer d'avancer dans ce petit fichier. Donc, on va relire comment faire. Deux figures sont symétriques. Si lorsque je plie le long de l'axe de symétrie, donc nous, l'axe de symétrie, il est en rouge. Si je plie, d'accord, hop,
elles se superposent parfaitement. Par exemple, si je colle mon Lego de ce côté-là et que j'en mets un autre là, si je plie sur mon axe, mon Lego, il va être parfaitement au-dessus de l'autre Lego. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme si je regarde dans un miroir. Donc normalement, tout le monde a fait l'exercice déjà dans son fichier 1, 2, 3, 4. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir rattraper parce qu'aujourd'hui, nous passons au 5 et au 6. Donc il va falloir reproduire la figure, d'accord, qui est ici, de l'autre côté du miroir. Rappelle-toi, on a déjà vu en classe, on va compter le nombre de carreaux, d'accord? Pareil pour l'autre figure, ici, on va devoir la faire de l'autre côté du miroir, ok? Donc si tu veux, tu peux prendre en photo tes exercices ou les scanner et nous les envoyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne fin de journée, te fais des gros bisous. Et puis à jeudi, au revoir les CE1.